Depuis ses origines, inexorablement, l'homme se multiplie et se fixe dans la cité, dont le pouvoir d'attraction, augmentant sans cesse, amplifie d'autant les échanges commerciaux et rend impossible l'existence d'un pôle unique. Ces pôles devront se multiplier pour éviter leur propre asphyxie. Autoroutes, ponts, tunnels et échangeurs irrigueront la cité tel un être vivant. Les spectacles ne seront pas épargnés par cette révolution de la communication. Et l'image enregistrée se substituera petit à petit au théâtre, qui cessera d'être le seul écho cérémonial de la cité. Les optiques changeront l'échelle de la représentation, mais l'homme aura toujours besoin de miroirs, comme il restera toujours magicien de son costume. Paradoxalement, l'homme n'est pas seulement poussé vers le futur, il est aussi retenu par ses racines. Et il s'attachera toujours aux choses de la nature, car il s'établit entre elles et lui des liens secrets qui ressemblent à de l'affection. Cet équilibre entre la nature et la civilisation a toujours été une des lois de l'histoire des villes. L'homme construit avant tout pour se protéger du milieu qui le fait vivre, mais il en garde la nostalgie et s'empare de la nature pour la recréer à l'échelle de la ville. Il ne devrait cependant jamais oublier ce qu'affirmait un jour Le Corbusier dans la charte d'Athènes, le soleil, la verdure et l'espace sont les trois premiers matériaux de l'urbanisme. Enfin, une ville n'est réellement vivante que lorsque les activités de chacun s'y déploient dans l'harmonie des rapports mutuels. Cela apparaîtra d'autant plus évident que si chacun aspire, dans son travail, à utiliser sa propre voiture, la perspective de la randonnée invite à se retrouver à plusieurs dans un même véhicule. La cité engendre la multimotorisation, pas la route, qui nous invite dès ce soir à la fête des vacances. You're